Bon, Bonjour les à deux tous. portails. J'ai raté Ah le oui. tour de l'Hélio, mais donc on se retrouve pour ce nouveau combat du Survivor. Alors, quelqu'un a le nom des compos qui s'affrontent? Alors il y a elle Tiens est ça. NYPD, c'est la team de Ploshado et l'autre je sais D'accord. plus. Attends. Je te dis ça tout de suite. De push de... Exact. NYPD. Et l'autre, dans 2 secondes, je te le dis. J'ai quand même trouvé que le jeu portail passait bien déjà sur cette map. Contre les poponnets, oui. J'ai pas pu faire de gros réseaux, honnêtement, la map était un peu bizarre quand même. Il y a des obstacles un peu partout, quoi, c'est trop chiant. Bah, y avait un héliotrope en face de nous déjà, c'était chiant. Bon, quoi qu'il en j'ai pas soit, de grand pour... couloir, c'est tous des petits couloirs partout. Oui. Pour les stuffs, on a de l'hélio sécu et type, du panda, strigide, rapier, cryochrone, donc O, ibit. Ensuite, il a pas un arc, Ploshado. Il a pas un arc, truc là. Ibit? Non, non, c'est du strigide cryo. C'est ce que je joue à Goulta, sur mon Feka. Ok. Ploshado, donc c'est. Grand Duc Kamas ou un truc comme ça. Vu les fixes de notre EO, oui, c'est un mix. Ouais, ça doit être c'est un ça. mix Grand Duc Kamas. Bouffeton, c'est carrément de la Grand Duc. On retrouve les 15 fixes neutro là qui sont celles de. Ça monte jusqu'à 20 d'ailleurs, non, les Grand Duc, attends. Je fatigue moi. C'est quoi Excuse-moi, ce là, mode à j'étais en 2 train de fois 15 penser. fixes? Tu cherches quoi? Parce que j'étais en train de penser strat là. Les modes des SRAM en 15 fixes, ça ressemble à de la Grand Duc, mais. Non, c'est pas de la Grand Duc Non, c'est d'ailleurs. pas de la Grand Duc. Ben. C'est pas du Oui. Nevark? Enfin, non, non, c'est pas du Nevark. Du double item Non, Grand c'est pas Duc, du je sais Nevark. pas quoi. C'est du. Mais y a pas des tonnes de base de panneaux, hein. C'est Kamastérisque, la base ou Grand Duc. Hein. J'ai du mal à mettre un nom sur le 15 neutre haut en fait. Je tombe plus sur l'item. Bah, l'ami Grand Duc, c'est pas 20 neutres hauts. Non, 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 l'ami Grand Duc, non, non, Il y t'as a pas de 40 résistance, fixes. t'as Si, pas il y de a 40 fixe fixes. avec le Grand Il y a Duc en 40 fixes sur neutre. l'ami Grand Duc. Oui, mais c'est pas, c'est du, c'est plus dans du C'est AGIF, OR, etc. ouais. Ouais, OR, je crois, ou je sais plus quoi. Non, feu, exactement, il y a du feu. Je fatigue, moi. Bref, c'est des stuff. Terre-air, quoi qu'il en soit. Un hétéro, donc en reine. Reine avec Kalkak. Sramban? On dirait un autre mode en effet. Sur Sur Netero. qui? Le Sadida. Le On dirait un Sadida. autre mode au Srambad. Ça y ressemble. C'est un Non, il Srambad. aurait plus de reste neutre que ça. Non, moi je suis en 7% neutre. 7%? Ah Le ouais, Ren regarde, Srambad. Ça ressemble à ça, hein, les grosses resters, les feux moyennes, les grosses hauts et un peu du R. Avec un compte terre-air. C'est exactement mes ouais, restes avec l'over en moins. ressemble à ça. J'ai. Oui, parce que c'est ça, j'ai 6% de plus feu et 1% de plus terre. Grâce aux over. Je regarde l'autre combat, moi, en attendant. Hein. Je Je vous t'en laisse prie. commenter celui-ci. Lockhart. Max? C'est de la brousse Et sur Kiki qui demande si on Lockhart? veut l'inviter. Ça veut mettre des dotaires. Si quelqu'un veut l'inviter, oui, je vous. Allez-y. Je vais éviter de le faire pour retourner sur Skype, mais allez-y. Ah, mais si j'invite dans cette convo-là, faut qu'on change de conv. Ah, zut, oui. Bon, écoute, on verra pour la suite. Donc, Lockhart qui joue de la brousse pour maximiser les foines. Ça j'aime bien. Je l'ai invité, on verra bien. Draki. Ah, mais dans cette conve là, celle. C'est pas. Ah, bah Draki, c'est de la oh, sinistre. Trop fou, de toute façon. On a beaucoup de persos, tiens, dans ce combat. Enfin, beaucoup. Au moins deux. Et pourquoi un réseau comme ça? What? Il pose un portail pour le désactiver après? Et qui Oui. fait de mon avis ça? Ou alors c'est qu'il a des peurs en rab et qu'il prépare pour la suite un portail loin. Ouais, enfin à ce prix-là, il le mettait avant, plus proche, pour que ça parte dans son réseau et il ferme après. Oui, ou alors il le mettait après avoir tapé ça. Ouais, quoi que si les autres veulent s'en servir, il fallait qu'il le ferme dans tous les cas. Re-kiki. Ouais. Tu regardes le match aussi? On est en train de streamer du coup le match de la team AYU contre... Oui, je le regarde. Contre celle de Ibit et compagnie. Et il manquait bon. Le stuff du Zobal. Ah, le Zobal aussi, c'est du stuff haut. Et on a beaucoup de persos haut. On a Ibit. On a le Zobal qui peut taper. Le Zobal, c'est de la Nator. Non, c'est de la Sinistro.
Oui, Sinistro Fieu pour les... Ah oui, exact, pardon. Rescue Trespoussi, c'est Sinistro Fieu. Est-ce qu'il y a autre phase spécialement intéressante qui peut tomber très rapidement avec un coup dans le portail et tout? Oui. Je suis déçu qu'il cherche pas à taper plus fort, sachant que le panda doit taper quand même. C'est un mode où t'as 4000... Ouais, il a stat au moins 200 en chance, parce que c'est un mode où j'avais 4008 cet été quand je jouais exactement le mode du... Non, attends, c'est pas exactement le mode du panda que je jouais, j'avais plus de raison. Y a pas de stratégie de full dessus. Oh là, qu'est-ce qu'il nous a fait? Hop, ouais, la cavotte qui tombe très vite d'ailleurs, on le voit. Elle aura coûté 3 PA. Et tout ça pour mettre une arnaque. Il bloque un peu le passage au 107 du coup. Et je vois que je n'avais pas coupé le canal équipe que je vais faire. Tout. Il passe à travers. Avec 3 PM restants, il est facilement spoté. Oula, la parfaite. Ah non, il en manque un. Non, oui. Oui, exactement, forcément en silence. Le salut. Bon. On va voir ce que ça vaut un stade en reine. Moi, je suis pas très fan, je préfère un stade feu. La team de Yugu est quand même pas trop mal conçue hein, sur les persos encore. La team NYPD avec Yugu, oui, elle est sympa. Mais l'autre, moi, j'aime clairement pas. L'autre, on devrait en venir à bout si c'est nous qui les affrontons. Il y a les deux classes du moment. Et je préfère clairement un Sadida en reine qu'un Sadida feu. Un feu, il profite pas du tout de l'état infecté. Oui. Bah, pour l'apaisante, parce qu'en général, le feu, t'as du raid PM avec, mais... Ouais, l'apaisante, mais c'est tout, quoi. Je veux dire, tu tapes pas avec. C'est pas du dégât. Non, c'est pas du dégât. Surtout avec un élo propre ou une ronce agressive sous truc, parce que oui, fait... très très mal. Quoi. Oui, bah la vidéo du Kogi où le mec tape 2500 x 4, je pense que ça exprime bien le... Le fumé, ouais. Ouais. Bon, c'est la panorama des fumées, c'est la nouvelle Strigide, quoi. C'est deux panneaux qui se concurrencent. Ah bah ce soir, c'est les reines qui ont gagné face au Strigide, hein. Pour un bah c'est normal. Rescrit vs dans notre match. Pas comparable. Il aurait même pu se réinscrire. Et ce double steam qui pousse. Mais il est fat le double steam. Je me souviens, en Gultar, il m'a permis de foutre un coup de dick sur les gars et de Jiva. Oui, je me souviens surtout de double steam que j'ai déjà vu et je dis bien en match du Gultar, mettre à peu près du 1500 sur un tour. Ouais, au dopou, mais ça c'est. Bah oui, avec l'écume, tu sais qu'il active 2 fois fouen. S'il fait 2 écumes, il active 4 fois fouen. 4 fouen à 250, ça fait déjà du 1000, plus ses écumes. Et quand je dis fouen à 250, c'est sur 50% hein, si l'autre est full terre en face, si le steam est full terre, donc... Non, il a raison. Mais s'il la tue pas, il a un peu moins raison. Non, mais pas de pédale, mais je veux dire, ça court, c'est peut-être un peu bon. Par contre, ouais, voilà, c'est pareil, le jeu... La masca. 26%, est-ce qu'il va la faire, sachant qu'il a pas de boubou? Non. Ah, il va jamais la claquer là-dessus. Il va mettre du boubou sur son steam, voilà. Il risque de faire vraiment perdre, presque, leur steam. Moi je sens qu'on va se taper la ligne YPD au prochain tour. L'ini du steamer elle est pas belle franchement. Juste avant le sacri. Ouais, c'est dommage. C'est qui Naïtero samedi? Ah c'est Azraelis, c'est vrai. C'est oui, Azraelis. À ce qu'on m'a dit. Ce qui explique d'ailleurs qu'il joue avec Chatelu. Oh Drago, t'as pas le droit de me dire ça. Dragoninis qui me dit. Je pense que la map a tout fait, une map éloignée ça aurait été différent je pense. Non, ça aurait été mieux pour les portails. Ils ont fait trop de fails. Les restes de Loza étaient impressionnantes mais ça ne servait absolument à rien. Bah il a pas fait grand chose du combat hein. Ne servait à rien à part buff. C'était de la Hermine non? À mon avis c'était un mix très bizarre à base je peux te le faire mais ça aurait été un mix à Hermine, casse Dragoff avec un item baleine pour choper le 11ème PA ou une connerie. Un truc inutile quoi. C'est ça. Il était absolument aucun élément, il avait à peu près 0 de stats partout. C'est les seuls modes qui permettent de faire du full 50. S'il avait fait ce mode avant le nerfless ça aurait été utile mais là... Ouais non les persos étaient 1 sur 1, tous. Ouais. Donc enfin au moins les cas. Donc C'est dommage pour 72 points de vie. Oui. Ouais. C'est le jeu. C'est le jeu, hein.
Sachant qu'en voilà, plus, là, on... on voit A le. avec le double crit que Flo a fait, on avait une solution en plus pour le tuer, mais bon, on pouvait pas savoir à l'avance qu'on allait faire deux crits. Ah, c'est jouer un CC près, quoi. Ouais, ou. Non, c'est surtout que j'aurais dû putsch, oui, mais bon, encore une savoir. Fois, j'étais pas sûr de terminer l'OSA. Dans le pire des cas, Razor et même la miche, non, il y avait rien qui jouait entre, voilà. Oui, mais. Comme si... on pouvait pas le prévoir, on pouvait pouvait pas pas le prévoir. prévoir. C'était vraiment. C'est... Est-ce que t'avais la PO pour le mettre le putsch une fois que t'avais fait les tempêtes? Non, t'as aucune chance. Non, aucune chance. Donc voilà. J'ai regardé justement, sinon je l'aurais fait. Même j'ai regardé si je pouvais pas caser un coupé, mais il manquait un de PO pareil. Donc la gardienne qui va tomber, en plus l'héros qui est chargé. Ah, pas de deuxième fourvoi. Il peut comme ça mettre un peu de dégâts sur le timer un peu. Le silence qui fait mal. Oui. Je sais pas si vous avez remarqué, mais sur cette map là, les matchs durent rarement plus de 10 tours. Hein. Nous on voulait faire une écrasante, je suis deg. La bonne zone héros qui est posée. Ouais, ça va voler de la stat là. Je crois qu'il y a déjà eu une écrasante, non, sur les premiers matchs. Ouais, oui, en 3-0. Oui, mais pas en 4-0. Personne n'a réussi à faire 80 ouais. points pour. Ouais, mais en 3-0, c'est. 330 force agile à passer devant nous. Ouais. Ouais, voilà, c'est ouais, ça, c'est exactement mon mode au Rennes. Oui, c'est le même. Canété. Mais c'est. Sauf qu'il n'y a pas les. Il n'y a pas l'over-res. Ouais, ils sont pas au même endroit. Ah non, il n'y en a pas du tout même. Il n'y a pas du tout, ou quasiment pas. Hein. J'ai 1% de... Non, 3% de plus en terre, 6% de plus en feu que lui. On est au petit ou on est pas. J'ai 9% de plus sur le stuff. Merci les overheads. Oui. D'ailleurs, enfin, j'ai fini mon kiddie bonnet moi ce soir, je suis chaud là. Mmh. Enfin bref. Ouais, bah Locard qui est déjà mal en point, tour 3, hein, midlife, qui a pris pas mal d'héros. Il a plus sa gardienne, elle a été tuée. Il est taclé. Il n'y a surtout pas d'autres claques de soins dans leur team. Ouais, il y a des gardiennes, mais elle a été défoncée. Oui, mais pas de claques de soins. Non, aucun. Le seul soin sur lequel ils sont rabattus, c'est la gardienne. Donc. D'où le sacrio, qui est un bon choix, je pense. Bah, y a beaucoup de persos hein, dans ce match. Ibit est haut, normalement. Le Sacrio, le Zobal est haut. Le Sadi peut taper haut aussi grâce à son mode multi. Il n'y a pas d'invoque pour leur pour ramener le Sacrio. Il y a une folle, mais qui est très très loin pour la PO. Il n'y a que 6 joueurs plus 6 qu'il a peut-être une chance de la choper. Ils sont suffisamment safe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ouais, hein. Ça sent le plastron masca. Ça sent la tire des tours libés surtout. Ouais voilà, attire des tours moi je pense. Oh pff, non mais Shuri il va ou libé, libé. Oui Shuri. Il détecte pas, enfin il détecte. Le science tapote quand même sur 11 perdus. Je le sens pas très bien embarqué la team des rouges. C'est les rouges bien. Ouais les rouges. Ah. Non moi je pense moi, plus que les bleus vont oui. perdre là. Les rouges ils ont rien. Il y a de l'héros qui est posé un peu partout, le Zobal peut encore temporiser pas mal, le jeu de portail est un peu inaccessible pour Yugu, peu importe ce qu'il voudrait faire avec. Bon, on attend de voir comment il sauve Lockhart, hein, parce que Lockhart est quand même dans le mal, et je te rappelle qu'il n'y a pas de soins, quasiment. Oh, il va... Plastron. Ouais. Plastron. Mais il a pas plastron tour 1. Non. Non, il a pas plastron du tout. Mais... C'est étonnant comme choix. Au final, le plastron a pas vraiment été utile, hein. Ils sont pas fait taper à part le steam. Ah, oui, avant maintenant. Bah, le steam a pris quand même Bagdad. On va mettre un portail pour taper directement, mais je veux dire, le. Là, le panda peut porter le steamer. Si le panda joue bien, il va porter le. Pourquoi ? Dans quel but ? Je ne sais pas. Là le panda il a rien d'autre à faire qu'à taper par exemple Plo Shadow qui est plus qu'à 2008 et érodé. Ouais. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il a décidé de mettre. Si le panda peut aller porter l'Olcart en prenant le portail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, exactement, il peut. Il peut faire ça et même taper à la vague bouffeton sur le passage. Non, il peut pas aller porter l'Olcart. Non, il en manque un, merde, putain. Ah, exact, je l'ai vu sortir un plus loin comme les sorts. Bah là, il, typiquement, c'est taper Plo Shadow. Hein. On porte bouffeton, on protège bouffeton et on va taper. Ou alors tu passes en SPA. Des éthylos ? Non, il va le porter. Oh non, t'as pas le droit de passer un tour comme ça. Putain, non, ça c'est du fail. Ça c'est moche. Aïe aïe aïe, gros Faker. Ex Faker, pardon.
J'invite Gwendo dans la cour, je pense qu'il doit être là. Et je t'en prie. C'est vrai que ce tour où on craque le pendant le cul, sans raison, sans fait rien assez en mal. faire. Fait assez mal. Ça c'est Heureusement vraiment sale. que ça dure deux tours à l'inverse de l'Axel de l'ENU, quoi. Pour information, l'autre combat s'est fini en 4-0, 9 tours. Ah, quoi? 9 ils ont raté l'écrasante. 9 tours, c'est la team contre qui on s'est entraîné, d'Héraclès, qui a battu la team, une deuxième team d'Agrid. Ah ouais, bah, ce serait bien quand on compte Héraclès, ce serait cool. Je serais pas Et trop stressé. Raza, c'est confirmé en fait pour ce que je t'avais demandé pour le match? Oui, votre horaire a été décalé. Ça marche. Tu peux regarder sur le... Je suis tape déçu que ça Guerabu, se tape quasiment pas dessus là au niveau des SRAM. Un bouton on va un peu sur Netero. Oh ça multifocus. Ouh. Oh la course sombre. Il a de la J quand même. 900. Il a de la J. 900 sur 30%, c'est pas mal. Sans CC en plus, parce que l'appel course sombre a un CC à plus 10, donc le CC fait vraiment mal. Même ouais mais il a sur, 150 rescrit. Je pense que c'est équivalent, hein. Il tape même pas moins fort à mon avis avec le CC, c'est juste équivalent. Est-ce que la tendance est renversée niveau point de vie pas niveau ouais. Point de vie. Oui. Ouais, je pense que là, oui, clairement. Attends, c'est inversé, oui. Ouais, mais il va Groot. Oui, mais ils sont tous érodés. Ah, non. Ça fractionne. Est-ce que ça peut débuff? Non. Ça fractionne entre l'Hélio et lui. Est-ce que l'Hélio est érodé? Oui, demain, il est... Non, il est pas pris dans l'héros. Donc c'est pas mal joué. Non, là, le steamer va pouvoir relancer sa gardienne. Et les voteux. Ouais, c'est peut-être pas perdu pour les bleus, mais ils ont intérêt à faire du gros tour. Ah, ils ont spoté de le SRAM. Non, c'est le non, double. C'est le double avis d'autrui qui a pas bougé. Bouton. Depuis l'avis d'autrui. Ah putain, oui, exact. J'utilise plus les portails côté rouge. Bon. Oui, donc ouf. Gardienne vers un portail. C'est une gardienne qui est morte. C'est ouais, c'est une gardienne, sachant que le sacré notamment est haut à la furie et peut se déplacer facilement avec Transpo Cob pour aller la chercher. C'est une gardienne bizarre. Je vous laisse finir d'arbitrer, je reviens après. Ça marche. Raza le sage. Oui. Bon, en soi on va plus commenter qu'arbitrer, mais... Soit. C'est plus l'inverse, plus qu'arbitrer nous qui commentons. Prenons plusieurs casquettes. Moi je veux bien être arbitre, je déclare tout le monde forfait, je reparie que 100 millions, je vous emmerde. les fameux 100 millions sur Bowis. Non, on a 100 millions sur Rick là. Ah aussi. Et 170 millions, bah ouais j'ai donné 33 millions hier. Il y a 130 millions sur ah, c'est Rick. C'est gentil de me donner des soufflots. Je compte bien les reprendre. Ça sera déduit de la victoire ou pas. C'est encore un défi quand même ce combat, ouais. Avec le focus qui a pas directement. Non, non, c'est la raison, les portails sont out, même s'il peut les replacer assez facilement. Il peut replacer, mais. Non, il peut les replacer. Ah, la masca, la masca. La masca. Ah, sur 7%, ah si, il va masca. Et avec du boubou qui va pas dans un sens. Le stadi, il y passe là avec la masca. Non, non, il y a fraction. Ah, il ose pas. Il y a fraction, donc il a dû voir que c'était pas bénef. Ah ouais c'est un bon tour du Zobal quand même. Bah s'il y avait une Fouenne ça aurait été un bon tour hein. Parce qu'avec un Steam full terre la Fouenne c'était... Il a 500 quand même tapé dégâts 319 avec la première body au Dopu. Ah mais il est Dopu hein. C'est un Odopu. Oui. C'est le stuff ouais, que Cam avait au Gul'tad il y a 2 ans. Bon, on va pas ah dire oui j'ai même pas fait gaffe au stuff de... C'est haut, ils sont quasiment tous hauts. Quand tu disais que les portails servent à rien... Ouais bah j'ai ouais, pas eu de passer comme ça aussi en fait. Parce que là il peut clairement essayer de faire un mort ou presque hein. Le panda il peut pas soigner. Ouais, ça va être la mort du... Non, ah, il va le porter, par là, il va le contre, porter. Ouais, il est obligé de passer là pour pas que sa compo, enfin son Saïda soit en danger là, à son tour. La vague à l'âme, là, c'est son sacré qui est en danger. Il pourrait, mais il faudrait qu'il aille par en haut, c'est deux personnes, oui. Aussi. Non, il peut pas, là. Il y a encore Pojado qui est invisible aussi, il hein, faut pas l'oublier, ça. Ouais, il a non, mais là, il faut qu'il se stab et qu'il porte les lieux. Hein. Et comment marche, tiens Shadow Blight, tu vas nous servir. Comment marche la fraction des Sadi avec le sacrifice? Elle marche comme l'ancienne fraction Feka ou elle a un fonctionnement différent? J'ai pas voilà, encore eu le temps de tester ce mécanisme. C'est une très bonne question, j'ai pas encore eu l'occasion de tester ça. C'est partage des dommages aussi, hein, donc à mon avis c'est la même fraction. Donc, bah... elle annule le sacrifice si elle est faite après. Comme l'ancienne fraction le faisait. Bah, même dans le buff, c'est exactement le même truc que la fraction, donc ça doit être la même chose. Bon. Ça fera en tout cas un essai à faire.
que le SRAM ne peut pas sortir d'un... Ah non, le Ibit est porté... Il peut juste le bug dead au panda qui a pas beaucoup de res. Il a quand même des res, je crois. Il va rester dans l'ombre. Des doubles de partout, mon dieu, c'est là. Ouais. Voilà, on pouvait s'y attendre. Le coup de cac. Non, il peut pas cac, il y a sa tourelle derrière. C'est oh putain, l'arme. Il s'est mal placé, sérieux. Non, le coup de cac aurait été pas... Il s'est plutôt mal placé parce que là, ils peuvent se servir des portails pour le taper. Oui, donc il s'est mal placé. Là, le Sadida, s'il voulait, il pouvait aller mettre des trucs à travers tous les portails, quoi. Il va encore tuer l'arbre pour 7 PA par tour, quoi. Oh, voilà. Groot. Un petit Groot. Pour ce soin. C'est étonnant que Draki n'ait pas encore sacrifié... Sachant que c'est une team avec que le panda comme debuff et qu'il a inutilement craqué son panda en cul. Par contre, le... Ah non, moi je tuerais pas ce Doppel qui protège plus et j'aurais pas non plus reculé parce que là le Zobal peut aller essayer de mettre des doppels et essayer de finir. Le Groot va bouger. Donc, ouais, mais il n'y a plus la fraction quand même. Quoi. Je veux dire, soit il passe. Tiens, ah, là, il j'ai une question. Un Groot peut traverser un portail ou pas? Est-ce qu'il a un étang enraciné? Non. Ah, le Groot peut traverser. Ah, tiens, c'est bon. Il peut traverser le portail. Il peut traverser. Visiblement, il a aucun état. Oui, qui c'est qui a ajouté là? On constate que ça peut être un moyen pour bloquer un portail, invoquer un Groot et le faire courir dedans. Ouais. Vu qu'il se transforme en arbre. Voilà. L'arbre est déplaçable le premier tour. Mais là, pour le déplacer, vu son placement. L'arbre est dans le portail, GG ça. On peut avoir un tour, oui, à base de cabriole. Masca Cabriole, bolish, masca. Ah non, ça passe pas pour un PA. En stream, Guido. La pluie a déjà été lancée. Mais c'est. Bon, de toute façon, Draki va sacrifier avant. C'est obligé. C'est les poponnés contre les NYPD. Là, Locard est mort. J'arrive. S'il descend, il est mort. Il a aucune ligne de vue pour taper. Donc son tour, ça va être à peu près passé. Sinon, tu regardes en spec via max, Gwen, si tu es dans tes amis. Ouais, c'est ce que je vais faire. Voilà. Il nous fait un magnifique tour passé. Il aurait pu invoquer un chauffeur dans le portail quand même, au moins. Il a peut-être quitte à mourir, parce que de toute manière il est mort après le panda, hein, sinon... Non mais il invoque un chauffeur dans le portail qui arrivait à côté de Draki et tout. Là, le sacrifice va être très très dur à placer là. Il va libérer le double, hein. Ou le vrai, je sais. Non, c'est le double. Ah, il prend le double. Pour la cabriole. Il n'est pas spécialement en danger non plus, voilà, et là il va taper. Il est pas strigé. C'est clair. Faut pas non plus spécialement attention au portail. Il a mal joué le steamer. Moi, à la place du steamer, je serais descendu, j'aurais full tapé, quitte à mourir au prochain tour, autant que ça sert à quelque chose. Parce que bah oui, ils sont pas spécialement plus avancés, hein, s'ils attendent, ils ont pas soin et... Bah non, mais il manque encore un tour pour le plastron qui retourne. Non, le placement était fait tour 3, donc oui, il va retourner tour 7. Non, mais c'est stupide. Par contre, là, Yugu, il est un peu embêté, il va remettre un portail pour revenir. Oui, il attaque les foules, hein. Ah, mais il peut glisser sur l'arbre, oui. Il met un portail derrière lui et il fait tout sur l'arbre. Il peut basculer d'un côté comme de l'autre. Oh, logiquement, c'est quasiment basculé pour les rouges. Les rouges ont quasiment la victoire. Je vois même pas comment ils peuvent gagner les bleus, sauf s'ils font des monsters faits encore. Tu es Netero maintenant, mais avec un sacrifice et le panda qui peut pas débuff, ça va être dur. Il faut qu'il fasse un mort quelque part, Yugu et safe. Ah. Pourquoi l'IB de la gardienne? Peut-être parce qu'il avait rien à faire ensuite de son tour et qu'il voulait l'éloigner vers eux. C'est... Oui, un peu étonnant. Allez, vas-y, link-moi ce que tu vas nous faire avec ton panda, là. Pardon, dans le combat, dans l'autre combat qu'on a raté. Pardon? Comment? Pardon, il y a eu des daggros sur l'autre combat. Des daggros? Sérieux. Il existe toujours, ce cac? Apparemment.
3 coups de dague. Ce qui paraît, d'après ce que j'ai vu, Yop R au dagro. Ouais, il a mis apparemment des coups à 500 x 3. Voilà. Bon, on mettra des commentaires. Ou pas, d'ailleurs. Il a commencé à quelle heure le combat? C'est bien cours, il y a longtemps. Ouais. Il est déjà bien amoché le truc là. Oui, il y en a pas mal qui sont bien amochés dont le Steam. Ouais, voilà le Steamer. Taille. C'est tapé là. Voilà. Il a les PM, il me semble, pour aller chercher. Donc c'est la fin du. Enfin, c'est la fin, la fin du. Voilà, c'est la fin de la carte et c'est la fin du combat, logiquement. Hop. Une autre belle course sombre. Bon, ça m'étonnerait qu'il y ait une écrasante au-dessus de moi. Non, il n'y aura pas d'écrasant. On tape les NYPD au prochain tour histoire de se taper encore un héliotrope qui fait chier. Et encore une team. Honnêtement, l'héliotrope, c'est ce qui me fait le plus peur, moi, comme classe. Hein, autre, oui, mais on va affronter que ça, hein, c'est lien. A tous les tours, on va voir que ça, juste tant qu'on continue de gagner. Non, parce qu'on est, on est que 5 hélios, sachant qu'il y en a déjà un qui a perdu. Et nous, ça veut dire qu'il reste 3 compos hélios en team. Donc deux qu'on peut affronter qui ont gagné. Le FK est un bon compte pour l'héliotrope. Hein. Ah, la gravita, c'est une belle horreur. Hein. Bah, c'est aussi une faiblesse, mais c'est une belle horreur à côté. Ouais. Surtout les immules, les trèves et tout ça, hein, qui peut permettre de temporiser ce que les autres teams n'ont pas spécialement. Oui. De toute façon, nous, le seul truc qui nous fait chier, c'est Panda Asram. Oui. Non, Asram pas spécialement. Parce que... Si, un vide autrui pour détecter dans le gravita, un vide autrui. Même si c'est qu'un tour qu'on peut percepter après, ça suffit pour nous faire chier. Oui, le SRAM est... L'initiative le permet aussi, pour le... Ouais, elle le permettra. Bah, je sais pas, un rasage joue en général assez tard dans un tableau, enfin, dans les trucs qu'on a... Ouais, mais sur un tour de jeu. Ouais, ouais. Ouais, mais enfin, je veux dire, le SRAM ne jouera peut-être pas premier directement, quoi. Enfin, je veux dire, le SRAM ne jouera peut-être pas premier directement, et du coup, il faudrait que... Ouais, c'est sûr. Un, voire deux persos qui jouent, quoi, disons que c'est... Enfin bref, déjà on verra contre qui on tombe. Le tirage de la deuxième ronde, c'est quand d'ailleurs? Il n'y a pas de tirage, hein. C'est Ah si, il y aura peut-être une partie aléatoire, c'est vrai, pour les équipes à points égaux, mais sinon c'est pas ordre de points. Bah si les autres, là, qui sait qui a gagné, Erasclès a gagné en 9 tours, ça fait exactement la même victoire que nous, hein. 4-0 9 tours. Oui. Si on tombe contre eux, c'est cool. Mais après, des mecs à 60 points, c'est pas ce qui va manquer, hein. Le SRAM. Avec le 80 points, on aurait pu prédire un peu mieux notre match. Ouah, 80 points, on tape Irbo et Ribo. J'aime mieux les taper à la fin, ils ont encore plus la haine. Ah, t'es souhait. Merci. Oh, il y a deux folles d'ailleurs, j'en ai pas ça. Ah bah. Ce serait temps de les tuer. Je dirais bien que plus il y a de folles, plus on rigole, mais bon. Ouais, tu vas peut-être être finir. Si, on te raccroche quand? Et non, c'est moi qui héberge. Dommage pour vous. Qui héberge, dommage, malheureusement pour nous. On va falloir supporter mon humour. Et au fait, t'as vu Max, il y a Brise de Knife Truck qui va sortir. Cool, ça fera un film de plus à aller voir. Parce que le 2 il l'a cassé donc il n'existe pas. Hein? Tant d'humour. Non mais c'est le nom du. C'est le titre du truc. Tant d'humour. Oh, franchement, j'ai même pas été voir le 1. Eh ben qui dit bonnet FM. Si mais j'y toucherai après mes matchs. Voilà, il y a d'abord un match à finir de commenter, même si je crois qu'on sait qui va gagner. La seule question qui reste à se poser, c'est est-ce que les bleus peuvent faire un mort? Visiblement, non. Non. Difficilement, d'après moi. Visiblement, non. Le plus en danger, peut-être plus Shadow, si. Mais... Ils ont pas spécialement une compo tapée, hein. Les bleus auraient pu faire un mort, mais en rushant le SRAM avec le Zobal Panda, maintenant... En fait, hormis vouloir jouer SRAM... Et SRAM, Steam et Zobal Dopu, ils peuvent rien faire les bleus. Je vois pas trop comment est-ce qu'ils espèrent gagner, enfin faire beaucoup de dégâts en fait. Par contre. Ou Dopu. Masque à Dopu. C'est vrai que le Zobal est quand même un tapeur dans leur team. Ben Dopu fouet, non, c'était du... C'est ça le truc, c'est qu'ils ont joué une compo Dopu sans la jouer. Il n'y a pas eu un seul fouet de casé du tout. Oui, alors qu'il est en brousse, il est même pas en strip pour mettre des fouets justement, pour maxer les doters. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas eu de foigne. Ce qui est vraiment dommage. Ouais, clairement. Bon, le SRAM qui joue pour lui dans son coin en haut. Ouais. Ouais, limite, ils peuvent. Ah. Ah oui, mais enfin bon.
Depuis tout à l'heure, Boucheton prend des zones à chaque sortie d'un vie, mais... Enfin, l'autre, c'est avant suis... d'avoir un vie, mais... Draki tombe quand même petit à petit. Et on peut voir que... Voilà, il est puni, donc concrètement, ouais. C'est eux qui vont tomber. Hein. Wow, oh, 1200 boubous encore sur Boucheton. Moi, je vois bien le panda mort, hein, ce tour-là. Non, parce qu'il y a le portail, c'est un 3, le portail haut, donc il ne va pas le déplacer. Et sans les portails, ils tueront jamais le... Bah c'est Boucheton qui va y passer avec le debuff. Quoique le Zobal, non, si, il est mort. Regarde, il a que 14%. Dax Rambad, Dax Rambad et Draki qui punit, il est mort maintenant. Ouais, non, c'est vrai qu'il bosse. Oui. Il suffit qu'il ait soit la transpo, soit la coop et c'est fini. Normalement, il a récupéré un accord. C'est des petits coups de dague. Hein. Il est bien châtié, il doit être dans autour des 1000 de chance. Au pire, il détourne de peu, c'est vrai. Non, il est en 4 PM chez moi. Il est en 4 PM, ouais. Ah, je peux regarder, ok. Bon bah, transpo l'arme. Transpo, cac puni. Le petit. Moi, je vois un 8. Sur 20%, pas sûr qu'il les fasse. Aucun crit. Ça me rappelle le match de Vivadé. Sauf qu'au lieu de le laisser à 233 points de vie, c'était 3. Ah, c'est toujours plus drôle. Il a 62. Et c'est le deuxième match où je suis mort d'ailleurs. Olé nostalgique. Ouais. Revenez-en au combat. Moi j'ai envie de dire, à quand les tortues augmentées quand on les lance à travers un portail? Tortue à 2500. Une tortue à 2500, ça me paraîtrait équilibré. Le CC est déjà monstrueux. Donc... Est-ce qu'il a tortue avant? Non. Il était en pleutre pourtant. Il était en pleutre, il me... Non, il n'a pas tortue. Non, il était en classe, non? Après, il a un smash psychopathe. Perd l'état masse de classe, oui, il perd l'état de classe. L'appui ou la ligne terre ne passe même pas. Bah, parce qu'il en sinistre trop. Moins 60 dommages terre. Oh putain, c'est moche. C'est assez moche. Et d'ailleurs, pourquoi la ligne n'apparaît pas à moins 0? C'est encore la prog bizarre de l'appui qui est pas comme les autres sorts du jeu. S'il fait 0 de base le sort, ça apparaît pas. Exact. C'est qu'aussi c'est avec une réduction d'armure que ça, qu'est-ce que ça apparaît. Qu'il prend avec ses portails. Oh, qu'est-ce qui fait que ses portails? Bonne question. Il envoie quelqu'un au fond. Ouais, mais ce quelqu'un en a qu'à revenir. Oui, vu que les trois peuvent pas être neutrales, oui. Ils ont que là, il l'éloigne juste pour son... Ah non, parce que le SRAM est encore au bout. Enfin là, le panda, depuis le début du combat, il fait rien, mais il va peut-être bien commencer à mettre des vagues à l'âme, non? Je sais pas. Tour 8, peut-être le moment qu'il fasse quelque chose. Bon, lui, il se terminera pas en 9 tours. Vagalam. Il va flask déjà, je pense. Non, même pas. Si, il va flask et picole. C'est de la strigie de Cryo, donc il a aussi une très bonne dose d'intel, ou de puissance. Qui fait que la flask CC peut tomber facilement à... Ouais, voilà, et c'était pour toi qu'il a mis ses portails à au bout, très probablement. Boucheton qui a 20%. Ouais, il tombe. 1100. Il tombe, oui. Il va sûrement tomber. Oui, parce qu'il y a une pelle courson qui va sortir. Donc... En CC. Ça, CC. Large, très largement. Et là, même tour 8. Ça joue à la métal, full arnaque. Sauf qu'ils ont pas le même nombre d'agis que lui. Non, mais par contre, les restes sont beaucoup plus intéressantes quand même. Ouais, bien sûr. Non, je sais bien. Metal, c'est pas un mode de petit PVP. Ce genre de mode maintenant sont quand même beaucoup plus intéressants, je trouve. Oui, non, mais bien sûr. Enfin, ça vaut pas le mode qu'on a trouvé. Mais là, empêcher la mort de Draki avec un rush du Zobal qui encore. Ah, quoi qu'il va. Oui, il a toujours un trans. Est-ce qu'il va oser? Ouais, moi je dis, ils ont un peu mal joué. Ils auraient pu gagner. Mais là, ils auraient pu faire clairement un mort. Mais au final, ils en font pas. Alors, Groot, pour attirer le SRAM. Quand même un peu... Il est plus sacrifié. Bah, c'est poussé, c'est pas attiré le Groot. Dans tous les cas, il descend. Oui, mais il avance le panda. Ouais, c'est ça. Bah, il avance le panda. Parce que j'ai l'époque, il y a quand même 2003 de beaucoup. Ah, là, le Zobal.
18% oui, il le tue. La Donc attaque est pas 18% oui, voilà. Il n'y aura pas d'écrasante, mais ça va faire comme nous en tour 9. Techniquement, on peut tomber contre eux. On va tomber contre eux d'ailleurs. Je le sens venir. C'est la finale avant l'heure d'après Ice alors. Non, Max? Je sais pas. Ice voyait la team à Yugu. Bah, t'as pas vu sur le jeu? T'as même répondu. Un message d'Ice? Mais oui, t'as répondu. En général, j'ignore. C'est même là que Zupadre a dit qu'il se l'a coupé s'ils allaient en finale. Je sais plus, j'ai dû faire de l'écriture automatique. Tu m'as même dit, j'ai le droit de dire ce que tu m'as dit ou pas? Non. Ok, je le dirai pas. Je pense que je me ferai des déos durant la finale de survie si on tombe contre. Ah là là. Je me fais rire moi-même. Et ça se fait des passes. Il n'a pas tort. La fin du match peut-être. Non. Petit CC. Ouais, ça, oui, ça devrait. Ah, le Sadi, s'il traverse, il arrive au bon portail. Donc, oui, ça passe pas le prochain tour. Non, mais le Sadi va taper à travers. Pff, il lance Rambad, hein, parce qu'il a pas plus intérêt à mettre des coups de dague. 19%. Bah, il tape et il passe. Oui, non, il veut taper. Et il passe. Allez, et il tape les deux. Oui, non, faut tu l'as plus intérêt à taper à travers. Ouais, vu la taille du réseau. Alors, est-ce qu'il y a encore un match en cours? Non, c'est le dernier. C'est fini. Et donc, une victoire en 4-0 et 9 tours. Même format que nous, de la team à Yugu, Netero, Plo Shadow et Draki.